des victimes des atrocités de la guerre de l'Est. Et avec l'aide du gouvernement, bien sûr, ce qui ne pouvait plus se faire à cause de l'insécurité à l'Est va se faire ici. C'est-à-dire, les victimes vont venir à sa rencontre. Les papes ne pouvant plus aller à Goma, Goma est venu à la rencontre du pape. Donc, plus fort que ça, on ne pouvait pas faire. Dans chaque pays, il y a une façon de faire passer le monde, pardon, le message au monde entier. Déjà, la rencontre avec quelques victimes des atrocités que connaît notre pays, vous avez fait allusion à cela, c'est un message fort que le Saint-Père veut envoyer au monde entier. J'insiste beaucoup, essayez de visionner de nouveau le message qu'il a adressé le dimanche dernier lors de l'Angélus. Il a dit clairement, en parlant de la République démocratique du Congo, que ce pays a beaucoup souffert. Et il veut que le monde entier fasse maintenant ou attire, disons, son attention sur cette souffrance du peuple congolais. Donc je ne pense pas que ça soit simplement organiser une espèce de carnaval au Congo pour que cela soit entendu. Déjà, le message qu'il envoie quand il annonce son voyage au Congo en dit déjà plus. Et les rencontres qu'il va faire ici, regardez dans les différentes rencontres, les personnes ou les groupes choisis, c'est déjà des messages forts qu'il veut envoyer au monde. Et je veux en profiter parce qu'il y a aussi une partie qui nous concerne dans l'organisation des personnes à mobilité réduite. Mais moi, je voulais parler plutôt de malentendants. Il y aura donc dans l'organisation de l'Église, si vous suivez lors des grandes manifestations, il y a toujours un abbé que nous plaçons devant, qui parle leur langage, qui utilise les gestes que ceux-là maîtrisent. Il sera là et eux seront aussi placés à un endroit telle sorte qu'ils pourront suivre à leur façon pour qu'ils participent et qu'ils communient avec les autres. Merci. Voilà, je crois que la personne la mieux habilitée à répondre à cette question, c'est Jésus Noël, qui est l'aménageur du site. Mais je crois savoir que c'est dans cette partie gauche, la partie qui a été réservée aux personnes à mobilité réduite et des malades, parce qu'il est prévu qu'il y ait des malades à chaque fois que le pape célèbre la messe. Il y a des volontaires de l'Église qui s'organisent pour leur prise en charge. Et pour ce qui concerne les autres dispositions pour les accès, je crois que c'est une question qui pourra être abordée dans les heures qui viennent, parce qu'il y a, je pense, 28 accès ici. Il est question de faire une harmonisation avec la police. Malheureusement, le général Kasongo ne pourra plus être des nôtres, mais demain, on va communiquer sur le plan d'accès. Je rappelle que l'événement ici est attendu mercredi dans la matinée et que nous comptons sur la discipline des uns des autres et surtout l'organisation de l'Église catholique principalement pour indiquer les différents accès par zone, et surtout le Monseigneur reviendra tout à l'heure lorsqu'on parlera, on reparlera de veillée, comment cela va s'organiser pour que les fidèles commencent à affluer sur ces sites un peu plus tôt et éviter des bousculades en matinée. On va prendre la prochaine question avec Richard Chaco. Vous êtes derrière les projecteurs, on ne vous voit pas. Essayez d'avancer, s'il vous plaît. Vous avez parlé du site qui sera ouvert le 2 mai à 18h. Comment va se passer cette veillée à part sur le prix? Comment ça va se faire? Est-ce que les gens qui sont passionnés ici pourraient être en train? Oui, je disais que comment va se présenter la vie à Pâques si nous devons garder des mains à 20h pour attendre la messe. Ils vont passer les commandes, ils vont se donner, comment ils vont se faire. Est-ce qu'on devrait penser à cela quand on vient d'un super, super, assister à la messe, qui est passé. Voilà, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Seigneur, excusez-moi. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Essentiellement, le déroulé de la veillée retient ceci. Il y aura un moment de célébration eucharistique. Donc, sur ce site, la première messe va se célébrer demain soir, demain la nuit. Nous trouverons le moment pour célébrer cela, mais elle ne va pas se célébrer sur le podium papal.
nous aurons une chapelle quelque part pour célébrer l'Eucharistie. Nous commencerons par là. Nous célébrerons la messe ici. Essentiellement, ça sera pour consacrer les espèces, les hosties. Si vous imaginez, nous sommes en train d'attendre plus d'un million et demi de fidèles qui vont venir. Bon, même des non-fidèles, mais au moins, il y aura beaucoup de fidèles. S'il faut consacrer les espèces, les hosties, surtout les jours de la messe du pape, ça va d'abord demander beaucoup d'espace. Vous avez vu, l'hôtel qu'on a préparé n'est pas assez grand. Et donc, une messe est prévue ici pour consacrer les hosties et les garder dans des chapelles. Et il y aura des gens qui ont la dévotion au Saint-Sacrement, à Jésus, dans l'Eucharistie, qui vont veiller ici avec le Seigneur. Il y aura donc ce temps de prière et la grande réserve eucharistique sera faite déjà demain. Et puis après, il y aura des moments de chapelet, il y aura des moments de musique. Il y a beaucoup de chorales, pratiquement toutes les chorales de nos paroisses de Kinshasa sont conviées, sont invitées ici. Et il y a un temps qui est prévu pour que chaque chorale puisse faire sa prestation. Et puis, il y aura des moments de catéchèse. Il y a des gens qui se sont préparés à donner des catéchèses. Je prends un exemple. Lorsqu'on s'adresse à un évêque, lorsqu'on s'adresse à un cardinal, lorsqu'on parle du pape, ce n'est pas la même façon. Lorsqu'on s'adresse, on parle du cardinal, on dit son éminence. Lorsqu'on parle à un évêque, on dit son excellence. Lorsqu'on parle du pape, on dit sa sainteté. Mais il y a beaucoup de confusion. Alors, ces catéchèses consisteront justement à expliquer à ceux qui seront ici pourquoi pour un cardinal on dit son éminence, pourquoi pour un évêque on dit son excellence, pourquoi un pape on dit sa sainteté, toutes ces choses-là. Quelle est la structure de l'Église, comment l'Église fonctionne. Donc, il y aura un temps pour tout cela. Et puis après, il y aura des chants populaires pour que les gens restent en état d'éveil. Pour des questions de comment ils vont faire pour se laver et tout, je sais, il y a une partie de cette question à laquelle devait répondre en principe l'ingénieur Jésus Noël qui n'est pas là, mais je sais qu'il y aura quelques toilettes qui seront mises à disposition. Donc les gens pourront utiliser des toilettes, il y a des toilettes mobiles qui seront mises à disposition. Mais pour se laver la figure et des petites choses comme ça, il y a des points d'eau que la régie des eaux a placés. Donc, il y a tout cela. Au début de mon intervention, je parlais de Journée mondiale de la jeunesse. J'y reviens. Parce que nous qui avons déjà assisté à ces journées mondiales, vous ne trouverez jamais un endroit où vous allez pour des journées mondiales de la jeunesse, vous vous réveillez et vous avez une douche. Il n'y en a pas. J'ai parlé de Madrid, qui est un pays, une capitale européenne. J'ai été en Pologne, qui est un grand pays aussi européen. Mais vous arrivez la veille de la messe du pape. Et vous êtes là en train de veiller. C'est des moments de rencontre, des jeunes qui viennent de partout, des jeunes, des adultes. Vous vous embrassez, vous vous saluez, vous faites des connaissances. Et puis après, c'est déjà les jours où on commence à crier parce qu'on attend les jours J. Et quand les jours arrivent, ben vous avez des petites toilettes là-bas, il y a des points d'eau, vous vous essuyez. Et puis là, la messe est terminée, chacun rentre chez lui, c'est alors qu'on va s'habiller correctement et sortir voir. La messe qui durera 1h45, on va prendre la question de Alain Lino et puis ce sera Élisée Audia. Allez-y, allez-y. Voilà, ma question s'adresse au ministre intérimaire des Transports, voie de communication et de développement. On vous a vu il y a quelques temps visiter le site du Lolo, c'est un site aéroportuaire. Vous êtes notamment inquiété sur la sécurité avant, pendant et après la messe. Est-ce que vous vous êtes rassuré qu'après les festivités, donc la messe, il n'y aura pas de casse et qu'au-delà du bénéfice de modernisation que l'aéroport a bénéficié, qu'après il y aura une sécurité.
sécurité et que le site sera intact pour la suite des activités ici même, parce que c'est un aéroport, pas principal dans la capitale, mais c'est un aéroport qui permet aux autres entreprises d'aviation de faciliter le déplacement des clients. Merci. Monsieur le ministre. Ok, merci Alain. Effectivement, j'ai eu à effectuer ces descentes-là. Vous allez déjà remarquer que la piste ne sera pas utilisée. Donc la piste principale ne sera pas utilisée, là où les avions effectuent leurs opérations de vol. Donc la piste déjà ne sera pas utilisée. Et quand vous regardez la configuration du site, vous allez voir qu'il y a des barricades, de sorte que la piste soit hors usage, hors d'usage par rapport à la population, donc aux chrétiens qui vont venir. Donc ils seront de part et d'autre. Donc déjà le premier élément, un des éléments importants de l'aéroport, c'est la piste qui ne sera déjà pas utilisée. Et puis par rapport, j'ai reçu la même question ce matin, j'en profite pour répondre, par rapport aux zones d'accès qu'on a ouvertes qui pourraient entraîner la crainte d'une certaine insécurité sur le plan de la sécurité et de la sûreté de l'aviation, eh bien c'est juste pour l'événement. Vous allez remarquer que c'est fait avec des grillades, ce qui veut dire qu'immédiatement après, surtout du côté des militants et du côté de Bokassa, donc immédiatement après l'événement, donc on va remonter les briques. Donc pour dire en clair, donc la sécurité ne sera pas affectée le jour de l'événement. Donc vous pouvez apaiser tous ceux qui ont des préoccupations dans ce sens-là. Peut-être que Mgr Ndaka nous dira plus tard pourquoi l'Église avait ciblé cet endroit. Parce que... La roue existe déjà, on ne l'invente pas. J'ai parlé de Journée mondiale de la jeunesse en 2011 à Madrid. Le pape Benoît XVI avait célébré les Journées mondiales de la jeunesse à l'aéroport de Cuatro Vientos, c'est comme ça, à l'aéroport de Quatre Vents, c'est un aéroport militaire. Donc, comme on n'invente pas la roue, on observe ce qui se passe à travers le monde et on voit, donc on s'adapte. La dernière fois que le pape Jean-Paul II était venu ici, c'était le site du Palais du Peuple qui était choisi. En cette époque-là, en 85, ce site n'était pas comme aujourd'hui, avec des constructions un peu ça et là. Donc, et puis la population n'était pas comme aujourd'hui ici à Kinshasa. Nous sommes pratiquement 20 millions de personnes. Alors, nous, on se disait, si nous sommes 20 millions de personnes et que les catholiques sommes 8 millions, par exemple, dans la ville, il faut quand même un site qui puisse accueillir au moins 2 millions de personnes, parce qu'il n'y aura pas que des catholiques. Et c'est en cherchant au centre-ville, nous ne voyons pas, parce que la première référence était le palais du peuple, mais nous nous sommes dit, mais ça ne va pas. Et nous allons où? Il y a même des propositions qui étaient données qu'on aille du côté de l'aéroport de Njili, parce que de ce côté-là, il y a des terrains vides qu'on pouvait aménager. Mais après, nous nous sommes dit, mais on bloque tous les grands bandundu, parce que les véhicules qui viendront de là ne vont pas circuler, c'est pas bon. Et c'est en cherchant que nous nous sommes dit, mais... On a vu certains pays organiser des événements comme ça dans des aéroports et nous en avons un ici à côté. Et c'est comme ça que le choix était tombé sur l'aéroport d'Ndolo. Et je pense que nous ne nous sommes pas trompés, parce que maintenant nous nous rendons compte que c'est un site assez grand pour accueillir. Évidemment, évidemment, ce sera un vrai défi. Madame Élisée Audia, votre question. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Le pape est un chef religieux, mais également un chef politique. La visite, elle est religieuse et politique pour certains. Est-ce que les drapeaux des partis politiques seront autorisés pendant les différentes cérémonies? Madame, est-ce qu'à l'église, on peut amener les drapeaux? C'est une question, peut-être que le prêtre, c'est un pays hautement politique, on pourra nous répondre. Est-ce que les drapeaux... La RDC est un pays hautement politique, surtout pendant cette période électorale. Est-ce que les drapeaux de partis politiques seront autorisés? Et par rapport à la mobilité, vous avez parlé sur le transport en commun, mais qu'en est-il des privés? Qu'est-ce qui est prévu? Où est-ce qu'il y aura de parking? Comment, où est-ce qu'ils vont laisser le véhicule et comment ils vont faire pour accéder? C'est juste ça. Voilà, monsieur l'abbé. Merci beaucoup. Excusez-moi, monseigneur. Merci beaucoup. le ministre a eu la réponse juste.
Ici, nous devons considérer que nous ne venons pas à un aéroport, nous ne venons pas pour prendre un avion. Ici, nous devons considérer que nous allons à la rencontre du Seigneur. Nous allons à une messe. Et donc, quand nous allons à la messe, nous n'y allons pas avec des drapeaux des partis politiques. Donc, nous venons ici pour célébrer l'Eucharistie. Si vous voulez mettre les deux casquettes du pape en tant que chef d'État et pasteur de l'Église, mais alors ici, nous devons séparer. Parce que là où il sera reçu comme chef de l'État, c'est au Palais de la Nation. Donc il y a là, c'est au Palais de la Nation qu'il est reçu comme chef d'État avec tous les honneurs dus au chef de l'État. C'est là où il va passer les troupes en revue, c'est là où on va chanter les deux hymnes des deux États. Là, il est reçu comme chef d'État. Mais quand il vient ici, il vient en pasteur, il vient pour prier avec ceux qui croient en Dieu. Et donc ici, les drapeaux des partis politiques n'ont pas leur place. Mais alors, parce que la question, évidemment, elle vient d'Élisée Odia, on imagine que les Congolais vont se mobiliser pour accueillir les papes. Quand le pape sera sur le boulevard, évidemment, j'ai vu des pancartes des honorables députés qui accueillent, qui souhaitent au pape la bienvenue. Chacun peut y aller à sa façon, mais les sites ici, c'est un site qui est sacré et ce sera en fait une chapelle à ciel ouvert. Sur la question de parking, je voudrais demander à mon collègue d'y répondre. Merci. Bon, je voudrais juste dire que il ne faut pas oublier, l'événement appelle de la part du gouvernement beaucoup de mesures sécuritaires, ce qu'il ne faut pas oublier. Et vous venez de le souligner, il est à la fois politique et ecclésiastique. Donc nous avons prévu d'abord, avant d'accéder au site, il y a des zones piétonnes, c'est-à-dire des zones au-delà desquelles les bus ne vont pas, ou les véhicules et les bus ne vont pas passer. Mais ici à l'intérieur, bien entendu, pour le pape et certaines autorités, il est prévu, vous allez permettre pour certaines raisons, je n'indique pas précisément, mais est-il qu'il y a des parkings qui sont prévus ici pour quelques catégories d'autorités. Et pour d'autres, vous allez remarquer en venant vers ici, si vous prenez Saint-Denis, vers la gauche, c'est le site de, je crois que le site de l'archive. En face de Vémé. Oui, en face du stade de Vémé. Il y a un site qu'on est en train d'aménager là, où tous les véhicules vont, pas tous, hein, pas tous les véhicules, certains véhicules de catégories bien spécifiées, permettez que je ne donne pas tous les détails autour de cela, ce sont des questions aussi sécuritaires, mais du moins il y a un parking qui est aménagé là, où les gens viennent, à partir de là, il y aura des navettes, des bus, il y aura le palais du peuple aussi, on va laisser les véhicules, et puis on va accéder aussi, donc, de part et d'autre, donc tout autour ici, nous aurons des zones piétonnes du côté de l'Unité, du côté du stade de Martyrs, du côté de militants et du côté de Braliman, quelque chose comme ça. Et puis nous aurons toutes ces zones-là qui va permettre, bien entendu, je disais, pour des raisons sécuritaires, il y a des besoins de mobilité, il y a aussi surtout plus des besoins de sécurité pour le Saint-Père. Donc toutes ces dispositions-là ont été prises. Donc bref, les dispositions ont été prises pour réserver des parkings, là où pour permettre, sans exclure, bien entendu, à l'intérieur ici du site. Alors, on va prendre la question de Rachel Tititi en attendant que Jésus Noël nous rejoigne parce qu'il visite le site avec son Excellence le Premier ministre qui est déjà dans le site de Ndolo. J'allais dire complexe, mais ce n'est pas ce qu'il faut, l'aérodrome de Ndolo. Madame Kitita, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je commencerai par le ministre de Transport. Vous dites 55 bus Transco mis à la disposition des fidèles qui vont participer à la messe. Je suis catholique, j'ai participé à la messe hier dans ma paroisse, mais il n'y avait aucun communiqué sur l'itinéraire, par exemple, des bus. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement les itinéraires ou les points des rencontres et à quelle heure exactement commence la ronde pour prendre les fidèles et les amener ici? Comme ça, ceux qui vont vous suivre ici, qui sont à Kinshasa, seront plus fixés puisqu'on est dans un flou. Bus Transco, j'habite ma campagne, mais je sors d'où et à quelle heure pour prendre le bus? Deuxième question, c'est, je m'adresse à Monseigneur Carlos Ndaka, l'évêque auxiliaire. Est-ce que vous avez des délégations, par exemple, des prêtres qui viendront d'autres pays pour participer à cette grand-messe et assister à l'arrivée du pape en RDC? Est-ce qu'il y a des délégations qui sont déjà arrivées? Vous avez prévu combien de pays? Combien sont déjà là, si vous avez prévu? Et peut-être une petite question. Ça fait trois pour vous-même. Une toute petite question. Vous avez vu le travail fait par des Congolais.
Est-ce qu'on peut avoir vos appréciations? Est-ce que vous êtes satisfait du travail qui est fait? Est-ce que ça vous rassure de l'organisation matérielle de l'accueil du pape? Vous étiez au Stade des Martyrs, ici à Ndolo, au Palais du Peuple, au Palais de la Nation, à la cathédrale, etc. Vos appréciations d'abord sur l'ensemble, votre appréciation sur le travail fait sous la coordination de Jésus Noël Cheke. Monsieur, Monseigneur, vous pouvez y aller. J'aurais bien voulu que Jésus Noël Cheke soit là pour y répondre parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il a senti tout le poids des attentes après les intempéries qu'on a observées au Stade de Martyrs et leurs conséquences. Je voudrais que vous puissiez commencer sur la question des itinéraires parce que, Monseigneur, la même question elle vous sera retournée pour nous dire comment vous avez organisé les fidèles pour venir rejoindre ces sites pour la messe papale. Merci Patrick. Donc je ne vais pas parler à la place de l'Église étant valablement représentée ici. Mais tout ce que je sais, nous avons travaillé avec elle et toutes les dispositions ont été prises. Et je ne sais pas pourquoi on n'a pas communiqué, mais est-il que le document que je vais me permettre de lire est déjà à la disposition de l'Église qui a été dans la commission. Mais pour des raisons de communication, nous avons 4 sites. On mettra les documents à disposition. On mettra à la disposition, comme ça, bien c'est entendu. Sûr que vous pouvez, je pouvais déjà lire pour dire que Kinshasa Ouest, nous avons Béhéné Saint-Léonard, Terminus Mboudi, Béhéné Saint-Cyprien, Saint-François, Kitambo Magasin, Béhéné Saint-Sacrement, Binza Delvaux, Béhéné Notre-Dame de Grâce, Rond-Point Ipen, Béhéné Saint-Noé Mawagali, Saint-Esprit et Notre-Dame de la Sagesse, Rompengaba, Kin Este, Béhéné Sainte-Marthe, Tseledaipen, Béhéné Saint-Kibouka et Saint-Marc, Kinasani, quartier 3, Béhéné Saint-Frédéric, Pascal, Béhéné Saint-Thérèse, station Société Sainte-Thérèse, Kin Centre, Béhéné Saint-Alphonse, Rompen Matete, Saint-Augustin, sous-région, Saint-Gabriel, Limité 16e rue, Doyenné Saint-Joseph, Victoire. Doyenné Saint-Antoine de Padoue, 24 novembre, Arélandou. Doyenné Saint-Pierre, 24 novembre, Croisement Triomphal. Voilà les dispositions qui ont été prises. Je pense que c'est juste dans les heures qui suivent. La communication va être faite. Déjà, ce que nous faisons là, c'est déjà la communication d'ailleurs au sujet de ces points de ramassage sur la mobilité des fidèles. Merci. Merci. Monseigneur. Les délégations que nous attendons des pays d'Afrique surtout, je peux vous dire que les évêques du Rwanda et le cardinal rwandais avec les évêques du Rwanda sont déjà ici. Nous disons les évêques du Burundi sont déjà ici. Nous attendons les évêques du Sénégal qui vont arriver. Nous avons accueilli la délégation de la République centrafricaine avec le cardinal de Bangui qui est déjà ici. Il y a 9 évêques du Congo-Brazzaville qui viennent d'arriver cet après-midi avec une centaine de fidèles et de prêtres. Ils sont arrivés de l'Afrique du Sud. Il y a une personne qui nous arrive. Il y a donc beaucoup de délégations de pays d'Afrique qui sont déjà ici et qui sont bien accueillis ici chez nous. Et il y en a d'autres que nous attendons. Donc demain, ça sera des mouvements un peu de partout parce que nos équipes doivent aller dans différents milieux et surtout à l'aéroport d'Njili pour accueillir toutes ces délégations. La deuxième partie de votre question, l'appréciation sur le travail fait. Ben, vous avez dit que vous êtes chrétienne, moi je suis chrétien. Si vous croyez en Dieu, vous devez aussi croire en l'homme créé par Dieu. Le Congolais n'est pas, excusez-moi les termes forts, un sous-homme. Le Congolais est capable de beaucoup de choses. Il suffit simplement qu'il soit bien encadré, bien suivi et qu'il ait des moyens, qu'on y mette la rigueur et le travail est là. Donc pour nous, nous sommes satisfaits parce que ce travail est fait par des nationaux, par des Congolais. Avant, on avait l'habitude de voir que pour un rien, pour un oui, on recourt à nos frères qui viennent d'ailleurs, eux aussi peuvent rendre service, mais si les nôtres peuvent le faire et bien le faire, mais nous sommes contents. Si vous voulez que je vous dise mon point de vue, moi je suis très satisfait.
Et chaque fois quand je rencontre l'ingénieur Jésus Noël, je lui dis, nous sommes fiers de vous. C'est un travail qu'il a bien fait. Et nous espérons qu'il n'y aura pas d'incident, que nous allons célébrer dignement avec le Saint-Père dans différents sites. Mais nous sommes fiers du travail qui a été fait. Et nous-mêmes, nous sommes déjà nous-mêmes fiers d'être Congolais. Pourquoi ne devons-nous pas être fiers du travail fait par les nôtres? Voilà, vous avez parlé des archevêques qui viendraient de pays voisins. J'ai vu qu'il y avait des réactions dans la salle. On va prendre la question de Serge Ntseka. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Je crois que la clameur de tout à l'heure encourage ma question. Le pape vient et il y a beaucoup d'attentes, hein, qu'on se le dise, dans le chef de notre population qui aimerait entendre des mots en rapport avec la situation en République démocratique du Congo. Monseigneur, qu'est-ce que nous sommes en droit d'espérer? Je crois que le pape est aussi le pape des catholiques rwandais, des catholiques de Burundi, mais par rapport à la situation particulière du Congo, de la RDC, ce peuple de Dieu meurtri aimerait entendre un mot de réconfort, mais aussi urbi et orbi, que le monde et la ville et le monde entendent ce que le Congo est en train de vivre. Et pour monsieur le ministre, les journalistes sont là. Le pape s'amène avec une grande délégation notamment des journalistes. C'est une vitrine pour le Congo de parler d'elle, de la RDC, parce que nous sommes souvent étouffés, la voix du Congo ne perce pas comparativement à ceux qui sont en train de nous maltraiter, qui se mettent facilement à la place des victimes. Est-ce qu'il y a des espaces qui sont organisés pour des rencontres avec des journalistes congolais, pour que nous puissions donner notre version des faits, entre guillemets, que nous disions ce que nous n'aimons pas dans les chefs de ceux-là qui n'écoutent pas le Congo et qui étaient en droit peut-être de stopper la guerre, notamment en refusant de donner des aides au Rwanda qui est en train d'instiguer les choses. Est-ce qu'il y a des moments, des échanges prévus dans ce programme pour que nous puissions, nous, participer à notre façon au lobbying en faveur du Congo? Merci. Monseigneur. Merci beaucoup. Si vous voyez bien la devise du voyage du pape ici chez nous, ce voyage a été mis sous le thème de la réconciliation. Tous réconciliés en Jésus-Christ. J'ai vu la salle réagir parce que j'ai commencé par dire il y a les cardinaux et les évêques du Rwanda. Et j'ai vu que les gens ont ri. Mais justement, nous avons intérêt, si nous croyons que nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons intérêt à nous réconcilier avec les autres. Mais la réconciliation doit se faire dans la vérité. Et donc voilà. Et c'est une bonne chose que l'Église démontre clairement que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes avant tout frères. C'est d'ailleurs, je pense, sans trop entrer dans la politique, la démarche que notre gouvernement a entreprise depuis le début, tendre la main aux autres pour faire comprendre que nous pouvons aller la main dans la main, mais dans la vérité. Alors, que nos frères arrivent et que le Saint-Père soit là, qu'il voit autour de lui et des évêques congolais d'une part et des évêques rwandais d'autre part, je n'entre pas dans le secret de ce que le Saint-Père dira, mais je suis sûr qu'il dira quelque chose. Qu'est-ce qu'il dira? Je ne saurais pas le dire. Mais je voudrais plutôt m'arrêter sur les gestes. Le Saint-Père ne peut pas aller à Goma, mais il a tenu à ce que les victimes viennent ici. Et vous avez bien dit qu'avec lui s'ouvre une vitrine médiatique. Il vient dans son avion, il y aura pas moins de 80 journalistes. Et nous pouvons nous faire une idée. Quand il rencontre toutes ces personnes, vous les verrez à la télévision, je les ai déjà vues. Il faut avoir du sang fort pour regarder certaines personnes que le Saint-Père va voir. Et donc ces personnes, de par leur présence, disent ou traduisent déjà tout ce qu'elles subissent de l'autre côté. Et que ce soit le Saint-Père qui reçoive ces personnes, et avec plus de 120 journalistes là qui voient ces images, je pense que pour nous, qu'est-ce que j'ai entendu dire, mais qu'est-ce que le Congo gagne en tout cela? Mais le monde maintenant qui cache les images de l'Est
sera bien obligé de voir ces images maintenant, parce qu'en fait, le monde suivra les Saint-Père. On ne va pas cacher ces images. Et voilà, c'est un geste fort qu'il pose. Il tenait à ce que ces gens soient autour de lui, parce que le monde va le voir. Avec lui, le monde va voir ces gens. Et alors, ça peut faire changer un peu la donne, nous l'espérons. C'est ça la prière de l'Église, c'est avec cette foi et cette espérance que nous attendons donc qu'il vienne. Pour nous, nous pensons que rien que sa présence et les gestes, les actes qu'il va poser et les paroles qu'il va prononcer pourra faire changer la donne. Voilà, il faut bien que les choses changent parce que le pape, au-delà de tout, c'est s'il faut parler en termes d'autorité morale du monde, c'est le pape, il a une voix qui porte. Il a la diplomatie du Vatican, il a tout ce qui l'accompagne. Ici, le pape a plusieurs fois eu des intentions de prière pour la situation en République démocratique du Congo. L'année dernière, il devait venir, on a reporté. Très peu de gens pensaient qu'il allait relancer le projet de voyage. Les simples faits que le pape ait la République démocratique du Congo dans son agenda et qu'il y passe 4 jours, ça donne toute l'importance. Il ne faut pas qu'on le regarde comme dans un calcul matériel. Lorsque nous allons à l'église, nous allons chercher les saluts de l'âme. Nous n'allons pas chercher là-bas des biens matériels pour régler nos problèmes du quotidien. Je donne l'image pour dire que lorsque le pape arrive, il arrive justement avec tout ce qui représente d'autorité morale, de prière, de compassion, de solidarité, mais aussi de capacité de plaidoyer à travers sa voix. Vous avez dit que ce sera une vitrine pour le Congo. C'est justement l'un des bénéfices de cette visite papale. Parce que cet après-midi, par exemple, j'étais invité en direct sur Al Jazeera pour parler de la situation du Congo. On a plus parlé de la situation du Congo que même de la visite du pape. Je pense que c'est une occasion qui va s'offrir au pays pour se faire entendre, pour porter les messages plus haut. Lorsque nous parlons justement de changement de narratif, c'est parce que nous pensons que le Congo est mal raconté. Tout à l'heure, vous avez suivi ce que Monseigneur disait à propos des Jésus Noël, pas seulement, mais tous ces jeunes Congolais qui travaillent sur ces sites depuis des jours et des mois, c'est des gens qui méritent d'être vus. Il ne faut pas définir le Congo sous les prismes de la violence, sous les prismes de la guerre. Nous ne réunions pas cette réalité, mais je pense qu'au Congo, il y a des jeunes qui sont résilients, qui font vivre ce pays. Alors, pour les médias, c'est bien que vous soyez là. Et d'ailleurs, quand on va terminer ces briefings dans les minutes qui suivent, on aura un petit briefing sur comment les journalistes vont être gérés. Je présume que vous tous, vous avez vos accréditations. On en a donné plus de 500 pour être sûr que tout le monde vient. Mais vous allez voir que les sites, ici à Ndolo, nous pouvons accueillir tout le monde. Mais au Palais de la Nation, on ne peut pas avoir 500 journalistes pour une activité qui aura peut-être 600 invités. Donc il y aura des tris qui pourront se faire par différents sites. Nous avons l'aéroport. Nous avons le Palais de la Nation, nous avons la Nonciature, nous avons de l'eau, nous avons les stades de martyrs. Tous ces endroits, il y aura un plan des déploiements qui seront faits. Les conditions sont prises pour que dans les différentes salles de presse, vous avez eu un aperçu de la salle de presse principale ici, pour que vous puissiez avoir des images en haute définition, pour que vous puissiez avoir des sons de meilleure qualité, pour que vous puissiez aussi rencontrer les autres journalistes qui viennent. Et donc, en ce moment-là, vous aurez, vous, l'occasion de faire votre plaidoyer, de porter les messages qui sont les vôtres en tant que journaliste, parce que dans la bataille dans laquelle nous sommes engagés, vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Les prêtres aussi ont leur rôle à jouer. Lorsque Monseigneur parle des discours de vérité, ça veut dire que ces discours de vérité, ils les tiendront et ils les tiennent à leurs homologues rwandais, parce que du fait de leur position morale, ils peuvent toujours influer sur les politiques. On va prendre une question à Lingala avec Fabrice. J'espère que Jésus Noël a fini avec le Premier ministre pour pouvoir nous édifier, sinon on sera obligé de rendre l'antenne. Mituna ezali bongo na moyimu mpe pona koyeba litoima obengenengeni moyimu mpe c'est-à-dire nganga nzambe pona koyeba litomba ya boye ya pape awa na ekolo Congo démocratique mingi bayi Congo bayebaki ke boye na ye ezali pona kotia mingi penda kimia tango RDC zali bongo menacé na banguna kasi bongo manaka na ye mabongwani to pe zali kaka
motuna mususu ezali na mwana mboka Patrick Muyaya pona koyeba ete boye ya pape ezali pe moko na misala ya nkumu ya ekolo Congo démocratique mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo amonaki ye pona mbala mibale. Est-ce que ça le cas ça après ça qui est à yé topé église catholique nde et s'il faut bien gaillé na école Congo démocratique nan toma koyenge la kamambi ya transport au lobby motango ya mitu kezali plus de 50 oye kosunga ba yi Congo pour na transport ba ya ti awa na libanda un peu pour ya marti ya ndolo. Est-ce que motango wana et ali penda ya kokoka po ite batu bakoya awa koleka 1 500 000 personnes ndenge ni boko lengela yango pe likami koya ndenge ni boko protéger bana Congo démocratique matoni mingi. Monseigneur Carlos, monseigneur nalinga les anine sango mokondi monseigneur nalinga les anine c'est compliqué nganzambe. Natombi obotombi mosanto papa akoya ko ko changer makambo mingi mingi te soki mitema na biso mi changer te ye lokola ministre na biso ya communication a lobby azana aura azana maloba alobaka siko maya koyebisa biso biso nde tokoki kosale la mango parce que po ya ko memela biso kimia na mboka elingi pe biso moko ba congolais to sala pote kimia ya okati ya biso na biso na bandeko o ba ko tungisa mboka ya biso yende akoya kolobela biso akosambela elongo na biso pote kimia ya kasi yete mutu akoya kokotisela biso kimia ye akoloba. Soki biso toyoki maeye akoyebisa biso wana nde tosaleli maye akolobela biso azali lokola pasteur azali lokola moto ya nzambe akoteya sikoyo biso bato tokoyoka mateya maye nde tokoloba tolandi mango tosaleli mango to totiki mango bo manaka maye machange mingi mingi te ezali etikali kaka ndenge ezalaki eloko kaka echange ezali eskalo alingaki asala na Goma yango nde kaka elongwe me na programme na ye makambo manso o babongisaki te asala ntango akozala na mboka Congo eza nde bongo etikali na manaka waye akoyamba bato ndenge na ndenge na lobeli kaka bavictime awa na koyamba pe bato mosusu oyo basalaka bisala basalisaka baninga baye baza na pasi baye baza na bokono baye baza na makambo ya ndenge na ndenge akoyamba nde bango na wana nyonso maloba maye toyingelaki maloba maye makozala te tosala manso po kimia ekota na mboka po Congo eteleme po bakongolais bavivre na mboka na bango na kimia ya solo kasi pe basepela po ya bomengo oyo nzambe apesa na mboka ya biso po biso moko bakongolais tosepela na ya voilà. Ndeko Ekila, merci journaliste. Babis tuku mitano na mitano 55 oyo totie mpona bato bakoya na misa mokolo wana elingi koloba te ke yango kaka nde ekosala mokolo wana babisi balini nyonso to esalaka na Kinshasa mokolo wana ekosala na yango wana nde eye renfort ya baligne spéciale wana ezali vraiment ifaut kobeta sete parce que jour yango ndenge toyebi mopanzi sango mpona gouvernement Patrick Muyaya alobaki déjà ke mokolo wana ezali semi férié demi journée et donc babiso wana eye mpona kobakisama na babiso oyo esalamaka mikolo nyonso tu tozalaka nango na Kinshasa me wana ezali nde baligne spéciale donc elingi koloba ete mokolo wana oyo akomona te azali na ntango te aza na makoki na ye aza na motuka na ye akoya na motuka na ye oyo azwaka 207 akozwa moto na ye akozwa akomi na zone atelemi me wana ezali mpona korenforce justement po te bato bakoma na ngonga. Voilà maloba na koyi kotia bisika wana likolo ya motuna na oyo yango. Voilà ndeko Fabrice awa est-ce qu'il faut koya lisusu koloba mokonzi ya mboka abengisaki ye to eza pe église catholique omoni biso toza na besoin ya kokende na bapolemike wana mingi te
binomoro bomoni ke mokonzi ya mboka a deux reprises akutanaka na santo papa ayebisaka ye mpe oya na Congo. Congo eza mpe mboka oyo na Afrika eza mboka ya monene oyo kote bachrétien catholique mingi koleka bakongo koleka bapei nyonso. Eza mpe, je pense, un des voyages les plus importants oyo papa azosala depuis azwa mosala na ye. Donc le plus important mpona biso eza te lelo koloba nani ayaki boye, est-ce qu'aye mpona boye to aye mpe na boye, parce que ozomona il faut koeviter oyo tobandeke koloba piège à politisation. Parce que ye moko président aza chrétien, bobi ke c'est un chrétien, bobi ke président ye moko paza moto azo prône union sacrée. Temo ya biso pe eza tous réconciliés en Christ. Le pape vient pour le président, le pape vient pour vous, le pape vient pour tous les Congolais. Je pense que oya motuya o biso to koki ko sala sikoyo ezaka ka komi lengela poto yambaye ndenge to yambaka bapaya ndenge to yambaka bakundi peto yoka oyo ye amemeli biso neti message. Je pense que ça c'est la partie la plus importante pour le message a remémela biso etali biso nyonso comme Congo etali biso te comme ressortissant de telle ou de telle autre partie. Apparemment, Monseigneur Jésus Noël n'a pas encore terminé avec le premier. On ne va pas garder indéfiniment l'antenne. On va atterrir. Bon, allez-y, posez une question chacune. C'est pour le pape, Monseigneur Souffret. Venez poser vos questions en série. Une question, s'il vous plaît. Une question, je m'adresse à Monseigneur. Je sais que l'Église est très regardante sur les aspects environnementaux. Je voudrais savoir qu'est-ce qui est prévu pour réduire l'empreinte écologique de tous ces grands événements. Merci. Voilà, on prend la série. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. J'ai juste une petite question de précision sur un communiqué qui circule, qui dit que la journée de mercredi est en partie chômée et que l'après-midi, les gens vont rentrer au service. Ne pensez-vous pas que pour des raisons d'ordre pratique, que c'est toute la journée qui pouvait être chômée? Parce que après la messe, il y aura des bouchons dans la ville, certaines personnes seront fatiguées. Voilà. Merci. Une petite question, monsieur le ministre. Je pense qu'on ne doit pas finir sans pour autant que vous puissiez dire un mot sur ce qui s'est passé au stade des martyrs aujourd'hui. Parce qu'on a vu des photos qui ont circulé et qui ont inquiété la population. Si vous pouvez dire un mot sur ce qui s'est passé réellement au stade des martyrs. Merci. Merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre des Transports ad intérim. Vous avez parlé des 55 bus Transco qui vont transporter les fidèles catholiques des diocèses les plus proches. Est-ce qu'il y a un coût ou bien c'est gratuit? Merci. Merci. Merci pour vos petites questions. Allez, Benoît, allez-y, terminez. Une petite question au Monseigneur. Le pape est censé de raconter le déplacé de guerre. Il y a plusieurs camps de déplacés en RDC. Est-ce que vous avez tenu compte? Comment vous avez pu choisir le gestion de tous ces déplacés-là? Et si on peut avoir l'effectif de ces déplacés? Merci. Merci, Monseigneur. Merci beaucoup. L'Église est organisée. En fait, quand vous voyez la cartographie de la République démocratique du Congo, à l'époque, la République avait six provinces. Et l'Église est restée avec ces six provinces de l'époque. Aujourd'hui, dans notre Église, nous avons six provinces ecclésiastiques. Et à la tête de chaque province ecclésiastique, il y a un archevêque. Chaque province ecclésiastique a un minimum de six diocèses. La province ecclésiastique de Bukavu, parce que Goma se trouve dans la province ecclésiastique de Bukavu, a en son sein six diocèses. Parmi ces diocèses, il y a le diocèse de Bukavu, l'archidiocèse de Bukavu, il y a Goma, il y a Beni Butembo, il y a Uvira, il y a Isiro, et il y a un autre qui m'échappe là. Et toutes ces victimes viennent, en fait, chaque diocèse a pris six personnes, c'est-à-dire pris selon le cas et selon le camp, selon ce que les évêques et les gens, les humanitaires de l'Église qui travaillent avec ces gens, ont remarqué dans chaque site. Et donc, chacun de ces six diocèses a pris six personnes. Et donc, ils étaient tous regroupés à Goma,
Et de Goma, ils sont restés, ils ont été encadrés. Et ce sont ces personnes qui viennent des différentes parties de la partie est du pays qui vont à la rencontre avec le Saint-Père. Donc ça a été suivi, ce n'est pas que c'est des gens qui viennent seulement de Goma, mais parmi eux, il y a des gens qui viennent de Beni Butembo, il y a des gens qui viennent de Bukavu, il y a des gens qui viennent d'Uvira, de toute cette partie est, et qui, en fait, vont parler de différentes, plus ou moins de différentes situations difficiles qu'ils connaissent là-bas. Voilà, Chalet. Merci. Vous conviendrez avec moi que ce jour-là, nous aurons ce que je peux appeler de une pression de transport et une pression de mobilité. Et le gouvernement a fait sa part, c'est-à-dire que je voudrais quand même rappeler ici que le gouvernement par Transco ne prend pas en charge que cette journée-là. Il y a déjà certains invités VIP de l'église qui sont déjà arrivés et qui sont pris en charge par le gouvernement. Ça, je devais quand même signaler ça. Et quand je dis le gouvernement, c'est-à-dire notamment l'établissement public Transco. Et donc, comme nous aurons cette pression de mobilité-là, le gouvernement a continué de faire sa part en donnant suffisamment des intrants, c'est-à-dire carburant et autres, qui vont pour que le bus puisse circuler ces jours-là. Et bien entendu, Transco, c'est un établissement public. Hein. Donc, ces jours-là, il ne faut pas oublier que c'est la messe. Donc, on a facilité, on a donné des facilités. Donc, les chrétiens ont appelé le coût normal. Le coût normal, donc une ligne spéciale avec le coût normal de 500 francs de tous les jours. Mais le gouvernement a pris en charge tout ce qui est comme carburant pour que nous n'assistons pas au phénomène que vous pouvez imaginer. Donc, il y a un coût normal avec ces facilités-là de transport. Voilà. Je veux répondre à mes questions. Nous avions parlé beaucoup de Jésus-Noël. Jésus-Noël qui vient d'arriver, qui a reçu des compliments de Monseigneur ici. Heureusement que vous n'étiez pas là. On va demander, on va libérer notre collègue de transport pour laisser le podium à M. Jésus-Noël. Ce sera pour quelques minutes parce que le Premier ministre est encore sur le site et il y a encore un travail qui est en cours. Comme ça, il pourra rapidement répondre à l'une ou l'autre question, ou tout au moins nous faire le point. Il y avait déjà la question sur les stades de martyrs, j'y répondrai plus. Il y répondra lui-même avec les éléments détaillés. Alors, pour ce qui concerne la question de Paul Matendo sur les communiqués qui a circulé, l'idée pour nous, c'est de nous assurer que la circulation est fluide et qu'on n'a pas, on ne va pas empêcher les fidèles ou ceux qu'ils veulent d'aller assister à la messe papale parce que c'est un événement qui arrive une fois dans la vie. En tout cas, la dernière fois, beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés, moi je l'étais déjà, et on ne sait pas quand est-ce que le pape viendra pour la prochaine fois. Et donc, nous nous sommes dit, ceux qui, généralement, occupent le trafic en matinée, c'est les élèves, donc on a décidé que ces jours-là, les écoles seront fermées. On réduit déjà l'intensité du trafic. En deuxième lieu, c'est un mercredi. Si nous devons décréter une journée chômée et payée, il y a des préalables. Ça veut dire qu'il faut discuter avec les différents, l'AFEC principalement, parce qu'il y a toujours un coût, élever les options. Ces jours-là, beaucoup d'entreprises au niveau de l'AFEC ont reçu des sollicitations de leurs agents pour dire, écoutez, le pape sera là, est-ce que nous devons y aller ou pas? Et donc, on a trouvé une mesure médiane qui permette, parce que la messe commencera, je crois, à 9h, 9h30. À 9h30. 9h30, elle va durer 1h45, donc autour de 11h15, 11h30, la messe sera terminée, que si des autres, comme vous, Radio Capi, vous avez une édition du soir, vous pouvez retourner travailler, et ceux qui ont d'autres occupations peuvent le faire, ça dépendra des aménagements de chacun dans leurs entreprises. Par exemple, pour la journée de demain, il n'y a pas de mesure, le pape arrive à 15h30, généralement... 15h. 15h, généralement, lorsqu'on descend de l'aéroport vers le centre-ville, à ces heures-là, il n'y a pas beaucoup de trafic, mais parce que vous savez que le pape prendra la route vers 15h et que ça durera à peu près une heure et demie, c'est toujours plus prudent d'observer, un peu de prendre des mesures pour ne pas peut-être vous retrouver dans une situation d'embouteillage parce qu'il y aura une forte mobilisation. Alors, peut-être que je veux donner un mot de la fin à Monseigneur Ndaka, parce que vous avez d'autres engagements, et on va continuer et terminer les minutes qui viennent avec l'ingénieur Jésus-Noël. C'est une fierté pour nous, je l'ai dit, Jésus-Noël, c'est une fierté pour nous, parce que je préfère reprendre ce que j'ai dit de lui. C'est un Congolais qui nous a montré que nous sommes capables de faire et de bien faire les choses. J'invite donc, avec votre autorisation, bien sûr,
J'invite les professionnels des médias à sensibiliser ce qui reste encore, les fidèles et les hommes de bonne volonté, à venir nombreux ici et aussi à donner la précision que l'accès ici ne nécessite pas un macaron. S'il vous plaît, il faut que ça soit clair. Ici, tout le monde est invité, l'accès sera libre, tout le monde peut venir, il y aura de la place pour tout le monde. Les macarons qui ont été distribués ont été donnés à ceux qui vont occuper quelques places réservées. Simplement cela. Je voudrais que les professionnels des médias répercutent ce message. Et nous espérons que nos prières seront entendues et qu'à partir de demain jusqu'au moins après la rencontre avec les jeunes au stade de Marty, qu'il n'y aura plus de pluie. Voilà, merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention et du travail que vous faites. Pour notre part, nous ne pouvons que vous assurer de nos humbles prières. Merci. Voilà, Monseigneur, merci beaucoup. Nous pourrons revenir à vous à tout moment parce que la communication sera un élément essentiel parce qu'on va déplacer des millions de personnes. On doit s'assurer qu'on assure et la sécurité du pape, et la sécurité de fidèles, et la sécurité du site. Il y avait une question pour vous sur l'environnement, comment vous le protégez. Mais je pense que cette question-là, ça appelle la responsabilité de tous, non? Je commencerai par des petits gestes. Je viens ici, c'est un site qui a été aménagé et puis j'ai utilisé les papiers, je les laisse traîner là-bas. Donc là, je crois que ce n'est pas seulement la question qui relève de l'Église, mais c'est une question de responsabilité. Tous nous devons savoir que ça, c'est un site à protéger. Et donc nous venons maintenant, nous sommes en train d'étouffer la pelouse. Mais bon, n'exagérons pas. Entrons dans ce site avec le minimum de respect qu'on peut à un site. Parce que sinon, alors, tout ce que nous... Carrément, parlons d'église, parce que ce sera une église à ciel ouvert. Donc, à l'église, on ne va pas jeter des choses n'importe où. Donc, nous devons nous comporter en dolo à partir de mercredi. Comment on se comporte à l'église. Voilà, il y avait sûrement un détail, la veillée commence à quelle heure? La veillée commence à partir de 18h en principe. Donc à partir de ce moment-là, tous ceux qui veulent venir à la veillée, je pense que je serai là. Donc tous ceux qui peuvent venir à la veillée sont invités. C'est le moment d'échanger, pas d'être dans le bruit là, habituel, mais d'être dans le vrai bruit ici. Voilà. Voilà. Mais Monseigneur est un contemporain. On parle de bruit papal. Merci beaucoup. Monsieur Jésus-Noël, on ne va pas vous prendre beaucoup de temps parce que encore occupé, mais il y avait beaucoup de questions qui vous ont été destinées tout à l'heure. La question de ce qui s'est passé au stade, où est-ce que vous en êtes. Il y avait la question de l'accès au site de personnes à mobilité réduite, question de Madame Raïma Tabou, mais aussi la question des accès, comment les accès ont été organisés. Je pense que si vous répondez à ces questions, nous pourrons terminer cet exercice de redevabilité et que demain, si cela est nécessaire, nous pourrons encore revenir pour donner des informations. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre, pour la parole. Je présente tout d'abord mes excuses, parce que vous l'aviez bien dit. Nous avions accueilli sur le site la visite d'inspection de Son Excellence, Monsieur le Premier Ministre, qui est d'ailleurs là, d'ailleurs. Qui est encore là et qui m'a accordé cette possibilité de prendre 3 minutes pour pouvoir répondre aux questions, parce que l'inspection continue. Et pour la première question, je dois d'abord dire que dans l'ensemble, les travaux ont pris fin en date convenue, c'est-à-dire depuis le 25 janvier courant. Les travaux ont pris fin sur l'ensemble des sites. Il ne restait que des petits travaux décoratifs que nous attendions vers la fin, les dernières heures, parce que comme vous savez, Kinshasa, ces derniers temps, est fortement sollicité par les intempéries. Et nous naviguons entre stratégie d'aménagement et la gestion des intempéries, donc c'est ce qui restait. Et là, nous sommes en train de mettre vraiment la dernière main. Mais hier, avec la forte pluie qui s'est abattue sur Kinshasa, nous avons connu une flexion d'une des structures au niveau du stade de Martyrs qui a, dans sa chute, entraîné un peu la couverture
partiellement. Et aujourd'hui, nous sommes intervenus pour réparer. Et là, les travaux avancent très bien. Et dès demain, on pourra avoir déjà la configuration initiale. Mais je pourrais plus même dire qu'on pourra avoir beaucoup plus. Parce que cette flexion nous a obligés à pouvoir modifier un peu la configuration des structures. Parce que comme vous savez, nous sommes dans un complexe omnisport, un stade, régi par des normes de la FIFA. C'est différent quand vous aménagez au niveau d'un espace comme Ndolo qui est assez ouvert. Au stade de Martyr, on ne peut pas forer sur les tartans, on ne peut pas enfouir les bétons au stade, donc on devait s'y conformer. Et même par rapport à la couverture de la charpente, on devait utiliser les structures légères parce qu'il y a également le poids des structures qui compte sur le tartan qui est en fait la piste pour athlétisme qui doit répondre à un certain nombre de normes. Donc c'est comme ça que quand vous voyez des concerts, des événements organisés au niveau du stade, ce sont des concerts qu'on organise avec des structures métalliques en aluminium qu'on trouve ici couramment. Ce sont des structures qu'on peut monter en un seul jour, en deux jours. Mais la configuration de tribune papale, c'est à une configuration beaucoup plus spéciale avec des exigences et des normes. Et c'est des structures qui pèsent lourd. Alors il fallait lier cette recommandation aussi bien du stade des martyrs, de la FIFA, mais aussi avec les exigences du Vatican. Mais là, nous pensons que nous avons quand même mis de gros moyens et dès demain, ce serait vraiment rentré à la normale. Mais ici, l'occasion, Excellences, Monsieur le Ministre, j'en appelle aujourd'hui à la responsabilité, à la conscience congolaise et à quitter cette mentalité du Congo bashing où à chaque fois, nous tirons un plaisir malsain à ne communiquer et à ne relayer que des choses négatives. Vous êtes ici sur ce site qui aujourd'hui fait la fierté du pays. Pour la première fois, le Congo va recevoir un événement avec plus de 2 millions de personnes réunies au même endroit avec un tel aménagement jamais organisé. Malgré la pluie, nous serons très honorés. Et vous aussi, vous serez très honorés de voir votre pays, pourquoi pas demain, entrer dans les records de Guinness avec une tribune d'une grande taille, jamais construite. Mais on n'en parle pas assez. On s'attarde sur une flexion d'une structure métallique qui n'entame même pas le podium en soi. Alors c'est bien regrettable pour le Congo de demain. J'en appelle aujourd'hui à une conscience nationale pour qu'il y ait ce sursaut d'orgueil, ce sursaut national qu'ensemble nous pouvons vendre l'image de marque de notre pays. Et c'est très important, Excellence. Voilà, il y avait la question sur l'accès des personnes à mobilité réduite. Leur place ici et les différents accès pour terminer. Tout a été pris en compte, Excellence. Aujourd'hui, nous avons voulu cet événement vraiment dans les normes, comme ça se passe dans tous les pays du monde, et spécialement pour ces sites. Il y a non seulement l'espace aménagé pour les personnes à mobilité réduite qui ont, il faut préciser, Excellence, qui obtiennent une place de choix vraiment à l'entrée même de l'espace et à côté de la tribune papale. C'est la première des tribunes de cet espace. Et pour les personnalités à mobilité réduite, il y a non seulement la tribune, mais il y a également un accès dédié. C'est l'accès numéro 2, totalement dédié aux personnes à mobilité réduite. Donc là, c'est également une innovation, mais aussi pour prendre en compte cette catégorie. Mais il y a aussi une particularité. Nous avons spécialement aménagé une zone, tout un espace pour permettre aux personnes vulnérables de pouvoir avoir un siège, une place. Les femmes enceintes, les personnes âgées, ça aussi, ça a été pris en compte, Excellence. Voilà, je crois qu'on va terminer par là. Monsieur Jésus Noël, merci de votre disponibilité. Je voudrais vous remercier de vous être mobilisé ce soir. Nous allons avoir un petit moment d'entretien immédiatement après ces briefings sur les dispositions à observer durant ces 4 jours sur la couverture de ces grands événements. Nous voulons espérer que nous aurons la force nécessaire et que tous les cadets vont s'assurer de parler à Madame Lapluie. Mais de toute évidence, qu'il pleuve, qu'il neige, nous serons là pour la messe papale et pour toutes les autres activités. C'est l'occasion de rendre hommage au Premier ministre et chef du gouvernement qui se trouve encore sur les sites. Ça vous dit l'importance que nous accordons à cette visite. Et tout ceci est suivi de près
par le président de la République lui-même, parce qu'il est question pour nous, République démocratique du Congo, de marquer ces moments. Ne restez pas à la maison demain, sortez accueillir les papes. Ne restez pas à la maison mercredi, venez à Ndolo pour assister à la Sainte Messe. Je vous remercie. Merci, Excellence. Ouais.